Bonjour, bonjour tout le monde. Allez, petit message général pour vous tous. Je sais pas sur quoi ça va porter. J'en fais quelques-uns. Allez, on y va. Là, on parle de personnes qui peuvent s'inquiéter par rapport à un lien avec une petite fille. Ça peut être une petite fille ou une petite fille, voilà, que... Il y a un lien avec une petite fille. Je vois qu'actuellement, il y a certains rapprochements avec cette petite fille qui sont impossibles actuellement. Mais je vois un retour au plaisir avec cette petite fille. On vous dit en tout cas que tous les espoirs sont permis. On peut me parler de personnes qui sont affaiblies par rapport à certaines personnes qui sont autour d'elles, qui peuvent être envieuses, jalouses, toxiques. Bon voilà, ça peut aller très loin. Je ressens des personnes très très fatiguées avec une baisse de tonus, une baisse d'énergie, vraiment une baisse totale de beaucoup de choses. Mais on vous dit de ne pas vous laisser abattre. Que voilà, ne vous laissez pas abattre, allez vraiment de l'avant. Je vois des choses très très fécondes pour vous et aussi le retour de la joie. Allez de l'avant. Là, on me parle d'un retard dans un changement professionnel. J'ai une personne qui a pris du retard par rapport à un changement de profession. Et je vois en fait qu'actuellement, cette personne travaille toujours dans l'endroit que... Voilà. Mais je pense qu'il y a une personne qui voulait vraiment changer de profession. Ça a pris des retards pour diverses raisons. Mais je vois que en fait c'est très 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 compliqué pour cette personne parce qu'autour d'elle en fait il y a beaucoup de c'est très très lourd hein. Au sein même de son travail il y a beaucoup de choses qui sont très très lourdes et je pense que ouais c'est pas il n'y a pas une bonne ambiance en fait hein. C'est pas la joie, il n'y a pas une bonne ambiance. En fait, on me dit que ça vous ralentit beaucoup, même dans votre travail. Dans votre vie aussi, parce que là, je pense que ce sont des personnes, quand elles rentrent, elles sont fatiguées. On me dit qu'il n'y a pas y a pas de soutien dans votre profession, il n'y a pas de soutien, on ne vous aide pas, on ne vous écoute pas, donc que ce soit avec les collègues ou avec votre hiérarchie ou autre, on ne vous écoute pas forcément. Mais il y a un retour. Hein. Je vois un changement de profession qui va vous apporter énormément d'amour. Ça va vous faire du bien. Ok. On continue. Je vois des liens avec l'étranger en fait qui sont bloqués. Ça peut être voilà des correspondances via l'étranger qui sont coupées pour l'instant. En tout cas, vous communiquez. Là, j'ai des personnes qui ne communiquent plus avec l'étranger. Ça peut être dans votre professionnel ou autre, hein. Mais vous communiquez plus avec l'étranger. Et en fait, ça, on me dit que ça vous rend pas très bien, en fait. Et ça bloque en fait un changement pour vous.
Il peut y avoir des jalousies autour de vous, mais je vois que ça va s'améliorer, ça va se mettre en place. Je vois des changements sur tout ça. Je vois même des correspondances qui vont reprendre avec l'étranger. Vous allez reprendre le dessus pour moi. Petit message. Là, on peut me parler je vois en fait un gel de certaines trahisons par rapport à des enfants. Et pour vous, c'est une réussite, ça. Là, on me parle la saison de l'hiver. D'un certain blocage pour une femme par rapport à ses enfants. À son enfant, à ses enfants, ça peut être aussi à son, voilà, un blocage. Cette personne ne sera pas vraiment en joie aussi. Je vois en fait une défaite par rapport à un certain examen dans le professionnel et beaucoup de jalousie et des choses très très bloquantes en fait pour cette personne au mois de en hiver. On me dit que vous êtes très protégé par rapport à la jalousie. Mais là, il peut y avoir des personnes en fait qui se rendent quand même très très malades en fait par rapport à des choses qui sont autour de vous. Mais ne vous en faites pas, les anges gardiens sont là, l'univers est là. On vous protège. Ça peut avoir un gros gros impact sur votre santé. Je peux même avoir des personnes en fait qui se sentent très très seules par rapport à tout ça. Mais en tout cas, je vois des amitiés. Vous avez des amitiés autour de vous sur qui, avec qui pour l'instant il n'y a pas forcément de correspondance. Vous êtes assez distant de vos liens amicaux. Vous bloquez à tous les changements. Parce que c'est assez compliqué pour vous dans le domaine professionnel. On vous dit de reprendre confiance en vous. Ne perdez pas confiance. Vous allez et si vous reprenez confiance en vous et que vous allez au-delà de vos peurs, en fait, vous allez pouvoir faire des compromis. Faire des compromis. Il va y avoir des négociations. Des négociations. On y va. Le dernier. Pour la route. Allez, le petit dernier. On y va. Alors, là j'ai des personnes en fait. En fait là on me dit, il y a des personnes en fait, vous vous écoutez pas assez. Vous pensez à énormément de choses, mais en fait, ce que vous pensez en fait, vous le pensez, mais vous ne le mettez pas en place en fait. Et ça peut être
très douloureux pour vous, psychologiquement, physiquement. Ouais, ça peut être très compliqué pour vous. Donc ça ralentit beaucoup de choses pour vous. Ça ralentit votre progression. Peu importe le domaine, quel qu'il soit. Et vous ne pouvez pas vous ouvrir aux compromis, aux nouvelles choses, en fait, aux nouvelles possibilités qui s'offrent à vous dans l'avenir, l'avenir proche. Un petit conseil. Là, vous réfléchissez. Là, j'ai des personnes qui réfléchissent énormément, énormément. Donc là, on vous dit, on se calme, on souffle, on arrête les questionnements, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre santé, de votre corps. Le corps, en fait, il vous parle, votre corps vous parle constamment. Soyez à l'écoute de vous, voilà, de vos douleurs ou autres, mais soyez à l'écoute de vous. Je vois de toute façon qu'il va y avoir, vous allez avoir... On va vous faire un cadeau. Je vois qu'on va vous faire un cadeau et ça va vous apporter de l'épanouissement, de la liberté. Ça va. Je vois des choses tendres pour vous. Je vois des choses tendres. Ouais, regardez. Tendre en amour. Tendre rempli d'amour. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Bon, moi, j'étais super heureuse. Je vous fais des millions de bisous, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. À bientôt !